Bien voici le tout dernier robot aspirateur serpillière de la marque Dream. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il s'agit aujourd'hui du robot le plus complet sur le marché en termes de caractéristiques. C'est la première fois que je reçois un aspirateur robot avec autant de fonctionnalités. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le tout dernier robot aspirateur. Donc ici il s'agit du Dream L20 Ultra. Moi c'est la version complete. En fait complete ça veut tout simplement dire que j'ai aussi reçu dans la boîte eh bien plein d'accessoires, que ce soit par exemple des filtres supplémentaires, des serpillères supplémentaires, etc. Donc la complete va avoir un paquet en plus dans la boîte où il y aura des accessoires. Sinon tu peux avoir bien entendu le Dream L20 Ultra qui lui aura pas ce petit pack supplémentaire d'accessoires, mais qui contiendra bien entendu le robot serpillière, donc aspirateur, et aussi cette fameuse station de vidage, d'auto-nettoyage qui est juste à côté, qui est énorme. Là vraiment je suis hyper content parce qu'on va avoir un aspirateur hyper méga complet. Voilà, ayant testé un grand nombre d'aspirateurs, n'hésite pas à regarder sur ma chaîne YouTube, que ce soit des aspirateurs balais, d'ailleurs Dream font des super aspirateurs balais au passage, des aspirateurs robots aussi, serpillères, j'ai pu en tester pas mal, vraiment il y a aussi des haut de gamme, sachant que la marque Dream propose aussi, j'ai pu voir des sèche-cheveux et aussi des ce qu'on appelle des aspirateurs serpillères balais, si jamais aussi t'es intéressé à côté, mais en tout cas aujourd'hui on va rester concentré sur le Dream L20 Ultra qui pour moi en tout cas je l'ai reçu en avance. Donc si jamais je fais quelques petits soucis, en tout cas quelques petites erreurs d'information, eh bien je vais corriger ça de toute façon dans la description. Donc bien entendu nous allons voir ensemble les caractéristiques, hein, la fiche technique du produit qui est incroyable je trouve. On va voir aussi, je vais te superposer de toute façon l'application mobile, puisque nous avons une application mobile qui se nomme Dream Home, qui est disponible sous iOS et sous Android, qui est gratuite et qui est tip top, puisqu'il va te permettre de te connecter en fait eh bien à ton un aspirateur serpillère robot et bien à distance. Tu vas pouvoir bien entendu programmer, planifier des séances de nettoyage, etc. Enfin voilà, on va pouvoir faire vraiment tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les aspirateurs robots, ici avec celui-là. On va avoir des technologies supplémentaires, je vais juste en parler très rapidement ici parce que c'est ce qui m'a vraiment vraiment intéressé. Ces deux technologies, la première technologie c'est une technologie qui va lui permettre avec l'intelligence artificielle de détecter les saletés, c'est à dire que il va faire une séance de nettoyage traditionnelle avec aspirateur et serpillère, et si jamais tu peux juste faire aspirateur si tu le souhaites, faut juste enlever les serpillères, mais à côté de ça il va pouvoir bien entendu détecter les objets autour de lui, donc il y a une intelligence artificielle qui va lui permettre de savoir voilà là c'est un obstacle, ce sont des chaussures et tout, je vais contourner l'obstacle. Mais à côté de ça il va pouvoir aussi détecter par exemple s'il y a des saletés à cet endroit là, etc. Et il va rester un peu plus longtemps à cet endroit là. L'autre chose que j'aime beaucoup et je voulais absolument te le montrer tout de suite parce que ça c'est un truc de dingue, ayant testé beaucoup d'aspirateurs robots serpillères, j'ai remarqué que il y a les angles, les coins ou contre les murs, en fait il va avoir des difficultés pour passer la serpillière. Et ici je vais te montrer ça de suite, tu vas voir. Donc on va voir en fait les deux serpillères ici, on va voir le support serpillière qui est aimanté à l'aspirateur robot. Donc j'enlève par exemple, imaginons, hop, le support serpillière enlevée, je le fais ici aussi. Simplement, comme tu as pu le voir, en fait les serpillères sont au centre, et ça c'est pour la plupart des aspirateurs robots serpillères. Ici on va avoir une fonctionnalité supplémentaire où en fait si tu veux la serpillière, une des deux serpillères va pouvoir se glisser et se mettre à l'extérieur grâce à un système un peu robotique du robot aspirateur. Et ça c'est excellent parce qu'il va pouvoir faire plus facilement contre les murs, etc., etc., ces petits endroits où au final bah tout aspirateur serpillère robot avait des difficultés tout simplement de nettoyer, et ici ils ont trouvé une solution. Le Dream L20 Ultra est un aspirateur robot haut de gamme qui offre de nombreuses fonctionnalités vraiment intéressantes pour le nettoyage de ta maison, bien entendu plus facile et plus efficace. Il pourra bien entendu passer l'aspirateur et la serpillière, ou alors uniquement par exemple l'aspirateur. Et aussi un point très important, on pose souvent cette question là, ici ce
robot-là va pouvoir surélever ses serpillères, c'est-à-dire qu'il va pouvoir passer, imaginons, l'aspirateur serpillère, et lorsqu'il est sur un tapis, il va détecter la présence du tapis et il va passer uniquement l'aspirateur. Les serpillères vont se surélever pour pas rentrer en contact avec le tapis. Enfin bref, technologie juste incroyable aujourd'hui, je trouve ça fou. Comme je t'ai dit, il y a aussi une application mobile qui se nomme Dream Home qui est disponible, voilà, sous iOS et sous Android, ce qui va te permettre bien entendu de planifier des séances de nettoyage, de contrôler le robot à distance, d'utiliser aussi des assistants vocaux, par exemple Alexa, Google Assistant, forcément pour avoir une meilleure expérience avec le produit. Il y a bien entendu aussi une caméra qui est intégrée dans ce robot aspirateur serpillière où tu pourras aussi te connecter à distance via l'application, via la caméra. Donc tu pourras en fait, si tu veux, contrôler ton robot à distance tout en voyant en fait carrément en live via la caméra où est-ce qu'il est, ce qu'il est en train de faire, etc. Très important, c'est qu'au niveau de la face avant, on va retrouver forcément la caméra et on va voir le laser qui est juste au-dessus, et en fait on va avoir deux LED, et ça je trouve ça bien parce que habituellement sur la plupart des aspirateurs robots serpillères, on va avoir potentiellement voire pas de LED, voire une seule LED qui mettent en dessous ou au-dessus. Et je trouve que c'est une très bonne idée de mettre une LED de chaque côté, et en plus les LED sont vachement puissantes. Alors ça c'est pour permettre simplement au robot aspirateur lorsque la pièce est sombre, mais sombre c'est surtout pour la caméra, parce que le laser lui, quoi qu'il en soit, il va fonctionner que ce soit de jour ou de nuit, mais c'est surtout au niveau de la caméra. Concernant les serpillères, donc comme je t'ai dit, le support en fait serpillière est aimanté au robot aspirateur, et en fait il va vraiment simuler un frottement de serpillère, comme ce qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui avec d'autres aspirateurs robot serpillère contre le sol. Donc ça c'est important. D'ailleurs l'aspirateur ici il a un petit poids, donc ça aussi c'est très important parce que il doit exercer une certaine pression au sol tout en utilisant ce système de frottement et de rotation avec la serpillère. Donc ça c'est très très important pour forcément passer comme si tu passais à la main un peu un coup de serpillère. Donc ça c'est carrément une bonne chose. Donc bien entendu il va cartographier ton appartement, ta maison, ta pièce, etc. C'est à dire qu'en fait directement depuis l'application mobile, et bien tu vas pouvoir voir un petit peu la carte, la map de ta maison, et si jamais il est en train de faire une séance de nettoyage, tu vas pouvoir voir en temps réel où est-ce qu'il se situe et qu'est-ce qu'il est en train de faire. On va retrouver aussi une station de recharge multifonction. Alors là c'est vraiment incroyable tout ce qu'on va retrouver juste dans cette station là. Donc déjà la première chose très importante, c'est qu'il s'agit d'une station de recharge, c'est à dire que lorsque le robot va sortir de cette station là, il va donc commencer sa séance de nettoyage. Lorsqu'il n'a plus de batterie, il va retourner automatiquement à sa station de recharge, et ou alors lorsque par exemple la séance de nettoyage est terminée, il va retourner automatiquement à sa station de recharge. Donc déjà c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une station d'auto-vidage, c'est à dire que toutes les saletés que va aspirer le robot aspirateur ira directement dans un sac en fait d'aspirateur qui est directement dans la dans finalement cette grosse station, et donc là c'est super simple parce que en fait globalement tu as presque rien à faire puisque en fait toute la saleté du robot aspirateur ira directement dans la station, les serpillères plutôt même. Donc c'est carrément de meilleure qualité que des simples lingettes traditionnelles qu'on pouvait retrouver sur d'autres aspirateurs robots. Ces serpillères là vont être humidifiées directement dans la station d'auto-nettoyage, humidifiées, lavées et séchées aussi par la suite. On a aussi vraiment une excellente puissance d'aspiration puisqu'on a 7000 pascal, ce qui est vraiment excellent. Alors eux ils disent donc une batterie de 6400 mAh, ce qui peut aller à une surface de 600 m², donc une autonomie de 600 m². Et puis on va voir donc les différentes technologies que je t'ai citées. C'est le Mop Extend qui permet à elle de nettoyer les coins en étendant en fait automatiquement la serpillère, offrant un nettoyage en profondeur. On verra ça aussi durant la phase test. Et puis on va voir aussi la technologie qui va permettre tout simplement de détecter eh bien des saletés, des poussières au sol. Donc ça c'est cool puisqu'il va tout simplement amplifier ces séances de nettoyage si jamais il y a des endroits qui sont un peu plus sales. Enfin bref, on a un robot aspirateur ultra méga complet. Dans la boîte on va retrouver forcément la station de recharge multifonction, un sac à poussière. Alors bien entendu ici pour la version traditionnelle, si jamais tu prends comme moi la version Dreambot L20 ultra complete, alors là t'es carrément gavé parce que tu auras plein de sacs poubelles, plein en fait de, si tu veux, de filtres, plein de serpillères. C'est juste fou à dire en termes de caractéristiques. C'est parti pour la phase test. Bien c'est parti, et bien du test du Dreambot L20 Ultra. Donc je vais aussi te superposer l'application mobile sur l'écran puisque c'est super intéressant. Alors par exemple ici, si je vais donc cliquer sur le robot, et en haut à droite on voit eh bien l'autonomie restante. Donc ici forcément on a 100%. On a d'ailleurs le petit logo en haut à droite avec la caméra puisqu'on peut voir en temps réel à travers le robot aspirateur. Donc ça c'est super bien.
On a aussi la superficie qu'il aura nettoyée. On va avoir aussi les zones et les pièces. Donc ici, il va pouvoir tout simplement dissocier différentes pièces automatiquement lorsqu'il aura fini sa première séance de nettoyage. En bas, nous avons le Clean Genius, personnaliser le nettoyage. Je suis dans personnaliser le nettoyage. On peut voir les paramètres de nettoyage. Si je clique dessus, on va pouvoir choisir l'aspiration et lavage, le standard, passage de la serpillière standard. Enfin bref, il est vraiment possible de bien personnaliser son robot aspirateur si l'on souhaite que voilà, il mette un peu plus d'eau avec la serpillière que d'habitude, ou si on souhaite qu'il a une puissance d'aspiration standard ou fort, ou alors turbo. Bien entendu, lorsqu'on augmente la puissance d'aspiration, il émettra plus de bruit. Nous avons le Clean Genius avec le mode quotidien, le mode ultime. Et si on regarde d'ailleurs au passage, comme on peut le voir tout en bas, on aura commencé le nettoyage et tâche de la station de base. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. On a aussi paramètres d'auto-nettoyage d'ailleurs au passage, avec nettoyer la serpillière. On va pouvoir choisir aussi les fréquences de retour de l'auto-nettoyage, c'est-à-dire qu'ici, si je clique, en fait, globalement, tous les 10 mètres carrés, il va revenir à sa station pour nettoyer les serpillières, ou alors je peux choisir tous les 30 mètres carrés et voir personnaliser ça. Moi, personnellement, j'aime bien quand il retourne assez fréquemment à sa station d'auto-lavage pour bien laver, bien nettoyer et bien les serpillières. Donc voilà, donc c'est ultra complet, hein, l'application mobile. Comme d'habitude, on a l'historique de nettoyage, nettoyage programmé, c'est-à-dire que je vais pouvoir choisir et dire, bon bah voilà, je souhaite que tous les jours, ou alors juste le mardi, le mercredi, etc. Trois boutons, des boutons tactiles. Ici, nous avons le bouton qui va tout simplement faire sortir le robot et le faire rentrer à la maison. Donc par exemple, si j'appuie dessus, hop, donc je rappuie dessus parce qu'en fait, faut appuyer. Voilà. J'appuie une fois dessus parce qu'en fait le tactile, en fait l'écran est éteint, hop, il se rallume l'écran, et puis j'appuie une fois de nouveau dessus pour activer la fonction demandée. Le bouton play, en fait, entre guillemets, ce bouton là permettra tout simplement de lancer un nettoyage sans avoir à passer depuis l'application mobile. Donc ça, c'est assez cool. Et là, on peut lancer, si l'on souhaite, un séchage des serpillères. Mise en pause. Donc vu que j'étais devant le robot aspirateur, là, il va se remettre à la station. J'étais devant la station, donc il n'a pas voulu rentrer et prendre un risque. D'ailleurs, au passage, comme tu peux le voir, j'ai des vélos à droite et j'ai un meuble aussi à gauche. Dans l'idéal, c'est d'avoir 0,5 voire 1 mètre tout simplement de distance à droite, à gauche. Et forcément, il faut au moins 2-3 mètres de l'autre côté, puisque en fait, ici dans ce sens-là, eh bien, c'est là où il va sortir le robot. Démarrer la charge. Eh bien, le sac de saleté, bien entendu, il faut faire attention, il y a un petit verrouillage, déverrouillage, c'est vraiment bien. Donc ça, faut juste faire attention de pas trop forcer. Et donc ici, nous allons avoir l'eau propre. Rien à faire, ce sera l'eau sale. On a un petit cache qu'on enlève. Et ici, nous aurons une brosse de nettoyage, puisque bien entendu, ça dépendra si tu as des calcaires. Et aussi, il y aura de la saleté qui va se situer là où je t'ai montré, à l'intérieur. Et ici, j'ai ajouté le produit qui est totalement fourni avec le robot. Donc en fait, qui est une petite, si tu veux, une sorte de petite boîte qui va s'enclencher, qui va se clipser carrément à l'intérieur. C'est vraiment très bien fait. Et qui va contenir un petit peu de produit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de commencer le nettoyage. Comme ça, tu vas voir en temps réel. Le nettoyage. Tu vas voir en temps réel tout simplement. C'est à nettoyer la serpillière. Voilà. Donc tu vas voir en temps réel le nettoyage ici de la maison. Je vais te montrer ça. Et à côté, donc alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Eh bien, il va tout simplement commencer à humidifier les serpillères. Voilà, il va commencer à les humidifier, après à les laver tout simplement, entre guillemets. En fait, c'est en rajoutant un petit peu ce produit. On entend ici un petit peu l'eau qui est en train de sortir. Donc ça émet un tout petit bruit. Et puis après, on va voir le résultat. Donc c'est parti. Et on va voir aussi en temps réel avec l'application mobile comment il cartographie. Donc ça a duré une bonne petite minute pour humidifier. Positionnement en cours. Et donc, patienter. Donc là, c'est très important, c'est la toute première séance, hein. Donc là, il va falloir qu'il cartographie. Et comme tu peux le voir depuis l'application mobile, le robot est en train de se positionner. Veuillez patienter. Donc je pense qu'il est en train de cartographier un petit peu, de regarder le salon. Positionnement réussi. Reprendre le nettoyage. Et là, c'est parti, il démarre le nettoyage. Alors, il n'a pas fait toute la pièce ici. Et puis, je pense qu'il va commencer. Souvent, les robots font le périmètre.
et en même temps il va cartographier. Voilà, il a commencé un petit peu à cartographier, c'est parti. On a les LED d'ailleurs, c'est énorme, énorme, les LED qui s'allument en dessous du meuble, ce qui est, c'est la première fois que je vois un aspirateur en plein jour allumer ses LED sous un meuble, je trouve que c'est trop bien. À mon avis, ça va vraiment lui permettre de voir en dessous du meuble. Donc déjà là, je vois juste la différence, ça a l'air vraiment sympa. On peut voir vraiment les serpillères tourner et surtout bien au sol, hein, puisque le robot peut lever les serpillères. Et on peut voir d'ailleurs que le sol commence à être humide et on le voit d'ailleurs bien avec la lumière, merci à la lumière. Les LED sont impressionnantes, hein. C'est la première fois que je vois des LED aussi puissantes sur un robot aspirateur. C'est assez cool. Ah, c'est un truc de fou. Il fait pas beaucoup de bruit. On voit la serpillère là, à droite. Que vraiment, et en fait c'est top parce qu'elle va faire ces petits endroits que le robot aspirateur traditionnel n'arrivait pas à faire. Ah, c'est incroyable. Et sur l'application mobile d'ailleurs, nous pouvons voir aussi la surface nettoyée, son chemin parcouru. Et on peut voir aussi lorsqu'il détecte des obstacles. Voilà, par exemple ici il y a les chaussures. Mais en fait on peut voir qu'il m'a identifié les deux chaussures. Donc chaussures 98%, donc ça à mon avis c'est le taux de fiabilité. Et le sol aussi est mouillé. Donc comme on peut le voir, donc très intéressant. Pour une première séance de nettoyage par rapport à ça, c'est pas mal. Hein. Parce que souvent la première séance de nettoyage, c'est la plus difficile. Tu dois vraiment commencer à comprendre son environnement, que là voilà, il y a un tapis, etc. Je vais te montrer la caméra en temps réel. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Donc là il est toujours dans sa séance de nettoyage. Mais en même temps, j'ai accès à la caméra et voir en temps réel. Et la qualité est vraiment bonne. Je vais te superposer de toute façon la qualité de l'image. Je vais enregistrer l'écran. On peut aussi activer, ça c'est intéressant dans l'enregistrement, on peut activer les lumières. Donc ça c'est top, les LED, surtout dans le noir pour bien voir. Si jamais on souhaite regarder via le robot. Bien entendu, on peut le commander à distance, comme on peut le voir en bas à gauche avec un peu ce joystick à la gauche, à la droite, demi-tour ou aller tout droit. Et on peut prendre des screenshots comme tu peux le voir à droite avec activer ou désactiver le micro parce qu'il a un micro. Donc on peut parler via son smartphone avec le haut-parleur du robot. Et aussi avec la possibilité d'enregistrer tout simplement l'écran via l'application. Donc ça c'est cool. Voilà, il la remet. Et là c'est parfait. C'est parfait. Incroyable. On voit vraiment bien, hop, elle se remet au centre, la serpillère. Cette technologie est vraiment impressionnante. Hein. La serpillère. Trop bien. On fait même dessous le pied de la poubelle, donc c'est vraiment bien. Je viens de vérifier et en fait il est en fort, c'est-à-dire que sa puissance d'aspiration est vraiment intéressante et qu'il émet pas beaucoup de bruit, je trouve, comparé à la plupart des robots aspirateurs où ça émet beaucoup plus de bruit. Donc là aussi c'est un très bon point. Ils ont travaillé aussi au niveau des décibels, hein, au niveau du bruit sonore. Et donc là c'est tip top, hein, de le voir, franchement aucun souci, comme tu peux le voir, hein, il se balade, regarde là-bas, hop, il passe assez près du pied. Et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est dès qu'il voit le pied, tu vois sa brosse, en fait sa serpillère, elle va légèrement, hop, se mettre un petit peu comme d'habitude sur le côté pour faire le tour du pied plus facilement. Donc ça c'est bien, vraiment c'est bravo hein, bravo à la marque Dream. Je trouve que c'est vraiment bien géré, c'est très bien pensé. Il a augmenté sa puissance d'aspiration, il a levé ses serpillères. Donc ça c'est le premier robot aspirateur que je vois faire ça. Et en fait maintenant il attaque le tapis. Donc ça c'est un excellent point, puisque la plupart des robots ne peuvent pas faire les tapis qui ont la serpillère. Ici il peut le faire. Il a détecté d'ailleurs ma petite pince où je ramasse les déchets par terre dehors. Donc ça c'est bien parce que c'est pas facile à détecter. Et en tout cas il passe vraiment bien l'aspirateur, parce que comme tu peux le voir, il y a pas mal de saletés. Des saletés que je n'ai pas rajoutées, hein, donc c'est vraiment un test réel ici. Donc qui est vraiment pas facile à aspirer.
Et je pense qu'il doit être à fond en mode turbo. Là, donc voici le tapis. On peut voir quelques tout petits trucs qui sont restés, qui sont à mon avis très difficiles à prendre. Mais sinon, c'est plutôt concluant. Parce qu'il est très très sale ce tapis, on le passe quasiment jamais dessus. Là, il va vraiment faire le côté qui est bien sale. Puisqu'ici actuellement il est donc dans la salle de bain. Là il risque de mettre les LED à mon avis sous le meuble. Il est impressionnant ce robot. Il a surélevé ses serpillères pour ne pas salir le sol. Parce qu'elles sont considérées comme sales, comme ce qu'on a pré-rempli dans l'application. Retourne à sa station et va se nettoyer automatiquement. Donc en fait, va tout simplement rincer, laver, sécher. Et après, essayer d'enlever toute la saleté, l'aspirer et l'envoyer dans le bac à eau sale. Voilà, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Dreambot L20 Ultra Complete, puisque moi, c'est la version complete qui, en fait, comprend tout simplement des accessoires en plus, donc vraiment plein de trucs de remplacement. Alors, concernant le tarif, on va retrouver donc le L20 Ultra, donc normal, hein, avec sa station de recharge, d'auto-vidage, d'auto-nettoyage, c'est juste qu'il n'y a pas les accessoires en plus, à 1199€. Et la version complete avec les accessoires en plus, c'est 1299€. Sachant que je vais te mettre bien entendu le lien dans la description de cette vidéo si jamais tu es intéressé. Normalement, il sera disponible sur Amazon et sur Boulanger. Donc ça, c'est cool puisque ça reste aussi forcément très accessible. Boum, merci encore pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.